Et bonjour à toutes et à tous et joyeux Noël! Bienvenue sur cette nouvelle série de Project Zomboid. On est en multi, ça y est, sur la dernière bêta du nouveau mode avec Damned, Katox et 119 minutes. Salut tout le monde, hein, comment allez-vous? Salut tout le monde, joyeux Noël! Coucou. Du coup, on va bien. Simple et efficace, je suis. Ouais. Bon, on a attendu Katox qui était un peu à la ramasse, on s'est donné rendez-vous devant un endroit qu'on avait déjà visité dans la première série, qui est vachement pratique, parce que ce coup-ci, on n'a pas de bûcheron, on va avoir du bois directement à la série. À la série, on va pouvoir se péter le dos à ramasser des logs. Alors, on est sur la nouvelle version, 119 minutes est beaucoup plus furtif que nous, donc nous, on y va en mode... En mode courbé. En mode courbé, non. Voilà. Elle est où la login call là, par rapport à ici? Bah je pense qu'il faut suivre le petit chemin hein. Vu que c'était ah, oui. L'entrée. Je voulais aller regarder la map mais c'est pas possible. Bon bah on suit le petit chemin. Ouais je pense. Je dois être au nord. Moi j'ai accéléré d'un coup. Bah je pense qu'on va bah je sais pas moi je suis la petite route mais elle va plein ouest, c'est un peu merdique. Ça me bah je pense que j'étais très au nord. Et ça, c'est pas l'ouest, c'est le sud. Attends, je ne me suis pas mis en. Ah ouais, mais pardon. Après, elle va plein ouest. Là, elle va plein ouest, ouais. Ça y est, je me suis mis en mode nord-sud, c'est bon sur la carte. Ah, elle est sud. Donc, elle est mais sud-ouest, du coup, elle est. D'accord. Elle est bizarre cette route, du coup. Oh, moi, je suis on était au nord. Au nord de la Syrie. On était au nord de la Syrie. Ah, on est en Syrie, là. On était au nord ou pas, je sais pas d'ailleurs. Si, ça y est, on y est là. Bah ouais, il y avait le panneau d'entrée, à un moment on doit quand même y arriver quoi, faut pas déconner. Ça y est, on y est. Ah, ça y est. McCoy Logging & Co. Voilà, on est bien au nord effectivement, voilà. On se retrouve au bureau. Il y a un croisement pour continuer tout droit. Ouais, tout droit, ouais. Faut rentrer dans la Syrie. Ouais, mais si tu suis la petite route, faut continuer tout droit, ouais, tu vas tomber. À l'ouest quoi, si je me base à la minimap, je continue plein ouest. C'est ça, tu continues plein ouest. Ok, parfait. Ah oui, je vois un truc McCoy Logging Co. Oh putain, voilà. Il y a du bois. Hein. Oh la vache. J'arrive, il y a une des mes poils qui est tombée en chemin. Katox se bat avec une double poêle. Un rat mort, un cafard. Il y a à bouffer en plus. Tu bouffes ouais, des cafards. Je te regarde. Il y a à bouffer en tout cas. Mon mec est en pleine panique par contre là. Ah merde, il est fermé le bureau. Non, la fenêtre est ouverte. Il y a un zombie là-dedans. C'est pas les toilettes, c'est une console, il y a des caméras et tout. Bon, j'ai pas l'impression qu'on puisse les activer, mais... Je vais ouvrir, comme ça on saura qu'on est passé dedans. Voilà. Alors, présentez-vous. Damned, qui es-tu? Moi, je suis Steven Covid, un médecin, toujours prêt à vous piquer dès que vous en avez besoin. Steven Covid. Et t'as pris quoi comme talent? Faut attendre, parce médecin, que des talents, j'en ai tellement. je suis adroit. C'est bien, vaut mieux pour bien vous piquer, mais par contre, je suis myope. Super. Donc, je suis adroit avec une seringue qui fait 2 mètres de long, mais par contre, si elle fait quelques centimètres, ça va être compliqué. Je lis très vite. J'ai un brevet de secourisme. C'est pas mal pour un médecin. Je passe inaperçu. Je suis aussi herbaliste. Et puis, bah, je me régénère rapidement. Voilà. Il y a quelqu'un qui est costaud là pour ouvrir les fenêtres? Ouais. Je suis. On n'a pas réussi à rentrer dans le. Dans le bureau, ouais. Je sais pas où vous êtes pour l'instant. Bah, au bureau. Il y avait l'onglet apprentissage sur son perso avant qui permet de voir tout ce que vous connaissez en VHS, CD, magazine et les livres que vous connaissez de base, non? C'est tout nouveau. Non. Ah, c'est trop bien. Je crois que je vois. En gros, en brevet de secourisme, je connais déjà le volume 1 et 2 des premiers secours. Non, c'est trop bien parce qu'on pouvait pas savoir avant. Maintenant, on a une protection, des températures et tout. Ouais, mais n'hésitez pas à regarder apprentissage sur votre perso, vous allez voir, c'est pas mal, vous pouvez savoir déjà ce que vous connaissez en volume. Alors, attends, c'est où apprentissage? Talent. Quand t'es sur ton perso. Et après, vous présenterez aussi. Apprentissage, ouais. La cuisine, volume 1. Je sais pas, apprentissage, c'est où ça? C'est sur perso, vraiment, tu vois ton perso dans info. T'es dans l'onglet info et t'as apprentissage, ouais. Waouh! Ça c'est cool! Les bureaux, on est d'accord, ils sont dans le sud du truc. Hein. Ouais. Ou à l'ouest plutôt quand même. Enfin. Ouais, non. Tu passes la petite guérite de surveillance. Vous avez vu qu'on peut se couper les cheveux, hein?
Ouais, bah tu peux. Maintenant, t'as des objets d'apparence. Tu peux trouver de la laque et te faire. Ouais, te carrément. Ça ressemble à un bâtiment. Ça ressemble à un bâtiment. Moi, je suis juste à côté des bureaux, donc. Alors, moi, j'ai trouvé en dessous, j'ai trouvé des coffres et il y a que des planches. Et on n'a pas d'outils pour l'instant. Et du coup, Slan, tu es quoi? T'es qui, toi? Qui es-tu, Slan? Moi, je suis une policière. Mais j'ai pas d'armes, du coup là ça sert à rien. Même pas une matraque? Même pas, j'ai rien, je suis les mains vides. J'ai, ah, t'es sagittaire, quoi. Soif, hémophobe, fumeuse, estomac fragile, lectrix lent, conductrice du dimanche, ça choquera personne. Mais j'ai tous les talents de furtivité et de plein air, homme de plein air, coureur, gracieuse, pas inaperçue, ça me permet d'être discret dans les deux cas, au son et à la vue, gymnaste, chasseuse et sportive. Donc j'ai énormément en fitness. Hein. Effectivement. Énormément en fitness. Hein. Je suis quasiment au max en fitness. Je suis à 9 points de fitness. Voilà. Pas mal. Autant dire que je peux courir vite et longtemps. Oh, par contre, t'étais stagiaire, quoi, parce que t'as pas de matos, t'as rien. J'ai rien du tout, là. Rien du tout. J'ai rien trouvé dans ma maison de départ et après j'ai couru pour venir ici. Bon. Bon, le problème ici, c'est que c'est bien, mais y a rien. Ah bah y'a Katox, voilà, montre-lui où est la maison. Ah y'a une voiture endommagée là. Mais y'a des zombies aussi alors. Y'a Katox, suis-moi. C'est là-bas. C'est juste ici là. Alors du coup moi je me suis fait un perso avec des compétences IRL, je me suis fait un perso IRL. Oh non. Mais si, complètement. Mais t'es doué en survie en vrai. Bah pas trop mal hein. J'ai vécu dans la cambrousse, donc du coup, j'ai quoi? Je bois beaucoup, agoraphobe, désorganisé, malchanceux et pacifiste. C'est cadeau, ça fait plaisir. Super. Pacifiste? Pacifiste, tout à fait. Pratique. Bah ça va nous aider. Je suis aussi obèse et en mauvaise forme, bon, mais je suis pas vraiment obèse en vrai, je suis un petit peu en surpoids, mais je suis juste au-dessus de l'IMC pour que la 8 au 10 t'es obèse, donc du coup. Ouais. Super. Et je suis aussi estomac d'acier, gracieux, jardinier, pas inaperçu. Je suis résistant, mécanicien amateur et cuisinier et herbaliste. Et j'ai l'oreille fine. Ah, on a deux herbalistes. Super, ouais. T'as mis des bris de verre par terre. J'espère qu'on a des chaussures. Des chaussures, laissez-moi passer d'abord. Ah mais tu sais, t'as ce qu'il faut pour enlever le verre toi. Bah il faut avoir un truc dans les mains. Ouais c'est ça, n'importe quoi, même un scalpel ça marche. Ah oui, je pensais qu'il fallait de la pince à épiler moi. Morceau de papier, trombone. Non le verre c'est pour le pince à épiler c'est pour l'enlever quand c'est sur toi. Quand t'as des débris de verre. Ok, je me souvenais plus. Pas trop où vous êtes du coup, je me suis un peu alors, perdu. Alors buvez si vous avez soif ici, avant qu'il y ait plus d'eau dedans. Il y aura vite plus d'eau de toute façon. Hein. Vous êtes parti où, au sud du coup? À l'ouest, normalement, on est dans les bureaux, donc... Alors, les bureaux, c'est plein sud dans Logging Company. Ouais, ça, bah, en fait, par rapport à là où on est rentré, c'est à l'ouest, mais c'est vrai que c'est au sud du bâtiment, quoi. Non, c'est plein sud par rapport à là où on est rentré. Quoi? Bah... Attends, c'est en pourtant, bas. J'ai mis ma carte... Au secours. Ouais, on a un petit peu de mal avec les directions dans ce jeu, ça, c'est assumé. Voilà. Hein. Je vais aller te c'est chercher. Bon. C'est bon. Alors là, effectivement, toi t'es pas rentré par la même entrée que nous. Bah si, en fait, mais enfin non. Enfin, je suis rentré à un endroit ressorti. On est rentré par une entrée qui est tout à fait, tu vois, dans la direction où je regarde. Là, c'est-à-dire okay. Vers le ouais, haut, ouais, vers ouais. Le nord. Ok. Il y avait une autre entrée là-bas. Bon, ok, bah c'est bien, on a réussi à rentrer ici, on peut s'installer ici, mais il y a rien ici. Juste bah, du bois si, attends, il y a les chaises en plastique dehors. Franchement, déjà, c'est voilà. Un gros bâtiment avec ça. D'ailleurs, j'ai besoin de me reposer, si tu permets. Allez hop. Là, on peut m'asseoir par terre, mais je peux pas m'asseoir sur la chaise, quoi. C'est triste. Planche. C'est dommage, ça. Planches, là. On a des planches à ne pas savoir qu'en faire. Ah, y'a plein de planches, contre... ouais. Mais y'a rien d'autre. Et une animation, si tu t'assois par terre, mais pas sur les chaises. Ok. Et déposez par terre tout ce que vous avez plus besoin ici. Moi, j'ai l'art du trappeur volume 3, s'il y a des trappeurs parmi vous. Allez, venez, ramassez tout ce que vous pouvez et venez déposer vos affaires dans le bureau ici. Moi j'ai récupéré un carton de bocaux. Ça c'est très bien. C'est extrêmement utile. Merde, putain. Donc on a l'ouvre-boîte. Bah en fait c'est des bocaux. Ça n'a rien à voir avec les bocaux. Ouais, je crois que c'est des bocaux de vie. C'est pareil, j'ai.
J'ai récupéré quelques bocaux. Alors, qu'est-ce que j'ai? Des bouquins, de la laque. Alors, c'est bien pour faire une base ici, mais il n'y a pas d'eau. Bah, il n'y a pas grand-chose. Une fontaine. Ouais. Une fontaine. Non, à non, eau, la mais fontaine, elle est à eau limitée. C'est bah oui, super oui. dur hein, de s'installer là. Ah bah oui. Moi, je vous propose qu'on essaye d'aller à l'endroit où il y avait du stuff. Il y a une warehouse un petit peu sur à l'est. Donc, faut enlever, faut reprendre tout ce qu'on a mis dans l'inventaire là. Enfin, dans le truc. Non, tu le poses. Bah non, on passera, ouais. Avec une j'ai la menuiserie volume 1. Hein. Moi, je pose des conserves de soupe et tout, si jamais on arrive à, un jour à trouver un truc pour les ouvrir. Ah, j'ai un truc pour les ouvrir. Et bah écoute, on pourrait éventuellement manger. J'ai trouvé plein de conserves dans ma maison, donc je suis venu avec. J'ai mis ça dans le... J'ai mis la bouffe dans le porte-document de droite. Il va tellement nous falloir une bagnole pour venir ici et... Ah bah ouais, carrément, ouais. J'ai rangé une poêle quelque part. Bon, après il y a un quartier résidentiel dans la pas grande loin à l'est, du fond. Mais... Quand même. Alors moi je vais regarder la map. Pour qu'on aille directement au bon endroit. Qu'on essaye de pas aggro toute la ville. Ah mais on peut carrément s'entraîner en faisant des abdos, des pompes, des squats maintenant. Mais tout à fait. Avec une ré... Ouais, d'accord. Ouais, Et c'est marrant, je connais déjà une partie de la ville, mais pas tout. Ah ouais, ils ont rajouté pas mal de choses. Hein. Personne n'a une barre à mine, hein, par hasard, pour alors, voir les carrés. Au-dessus de nous, on a une usine. On pourrait aller à l'usine et voir si on arrive à récupérer du stuff. Hein. Et sinon, on va à la warehouse. Il est fini au-dessus, une fois. Non. Au-dessus sur la map. Au nord, on se base sur la minimap, donc au nord, ok. Au nord. Ça vous dit ? Donc ouais. Par ici, alors, on est d'accord, c'est par ici, Sen. En fait, c'est en deux parties, la MacCorp, tout à fait, c'est vers le nord, tout à fait. La MacCorp est en deux parties, une partie où il stocke le bois et une autre partie où il coupe les planches. On aura peut-être un peu de stuff là-bas. Go. Et ça serait peut-être mieux d'ailleurs pour s'installer. Parce que là-bas, il y aura sûrement de l'eau. Tu veux que je prenne tout le stuff qu'on a déposé ou... Non, bon, on passera, on sait que c'est là. D'être passé parmi les rondins de bois là, c'est ça? Ouais, non, on suit la petite route. Le petit sentier. Mais il court tellement vite, j'arrive pas à suivre. Moi je suis à bout de souffle parce que j'ai dû courir parce que j'avais perdu une de mes poils. Ouais, avec le fitness, ouais, c'est vrai que j'avance bien. Ah, t'as pris à gauche ou pas sur le chemin? Non, t'as continué? Tout droit, jusqu'à la sortie, jusqu'aux zombies. Je les ramène, tiens, parce qu'il y en a peut-être qu'un comme une arme. Attention, zombie, le signe devant toi. Je suis un peu essoufflé et je suis pacifiste. À quel moment tu t'es dit que ça serait intéressant de m'amener des zombies dessus? D'accord. Bah j'y vais. Salut. Un zombie. Ça c'est Damned il sert à rien non plus. Il est où Katox? Bah. Il est là-bas, viens Katox. Comme toujours hein. Ah je suis un peu à bout de souffle. Mais c'est pas vrai. Les mecs faut du fitness. Ouais, c'est très bien que je suis gros. T'es quoi toi Katox d'ailleurs? C'est quoi ton métier? Bûcheron, nous a pas dit. De base. C'est pour ça que je me suis perdu ici, parce qu'en fait d'habitude je suis plus dans les forêts. Culotte à imprimer animaux. Ah, je le mets ça. Soutien gorge. Trop bien avec mon personnage, avec son. Et je vais mettre un jean par contre à la place de mon short parce que. Tiens, bah une chemise de bûcheron là, Katox si tu veux. Ah, mais j'en ai déjà une. Ah bon. Parce que comme il pleut, okay. j'évite de mouiller ma chemise. Attention, il y en a un deuxième de zombies là, juste derrière. Et qu'est-ce qu'il fait? Il y va tout seul, sans arme. Et en courant. Ah non, mais moi il me verra pas. C'est vous qui l'a vu. J'avoue. Faire une bagnole, mais je suis sûr qu'elle est pourrie. Elle est cassée, celle-là, c'est une épave. Ouais. Y'a rien dans le coffre? Ça a pas l'air. Faut pas l'ouvrir. Il montre. Il est 16h50. Pourquoi j'ai une vieille souris qui est apparue sur mon écran là. Ah, mais non, mais elle a toujours été là en fait. Voilà, on arrive à la voie, à l'usine, suivez le chemin. Ah ouais, mais on marche un peu, tourne à gauche ou nous, on fait 100 mètres, on perd un poumon. Hein, donc. On tourne à gauche ou on continue Ah, vous continuez sur la gauche, ouais. Ouais, on tourne à gauche, ouais. On rentre dans l'usine. Dans la direction où j'ai couru. Non, vous rentrez pas dans le truc. Ah bah voilà. Non, bah non, là vous rentrez au même endroit que là où on était tout à l'heure. Ok, on continue l'ouest. Tu pars tellement vite que... Puis en plus moi je suis myope donc... C'est gauche-droite, ça change toujours en fonction du sens dans lequel on est tourné.
Et c'est excellent, c'est qu'ils ont quand même fait des bruitages différents quand tu mets un coup de poêle, quand tu mets un coup de rouleau à pâtisserie et tout quoi. Ouais. Ils ont vraiment fait un super taf sur cette mage. Attends, mais même c'est en furtif, il va plus vite que nous quoi, c'est abusé. Putain, c'est clair. Ah, puis les petits décors, genre la bagnole qui a renversé le mec. Comment est-ce qu'on fait pour faire réapparaître le truc ? Quel truc ? I. Ah oui, faut que tu faire réapparaître ton inventaire. Ouais. Alors j'ai un carré vert là, comme s'il y avait un truc, mais. Il y a 3 zombies là. Non, ne fais pas ça. Dont un qui a un truc dans le dos, je sais pas ce que c'est. Une batte, non ? Oula, il y a du monde au nord. Oula, il y a du monde ici. Pour moi. Ah ouais, allez-y doucement là, allez-y doucement. Hein. Ou s'il faut, je peux les attirer. Hein. Je peux faire. Non, on va y aller mollo. Hein. Ok, très bien. J'ai qu'une poêle, moi j'ai rien d'autre. Si on pouvait d'abord trouver un truc. Bah venez, on va rentrer. Venez sur la droite. Il faut que le mec en bleu là, ça aurait été bien qu'il nous voit lui par contre, juste lui. Bah pourquoi il y a des loups qui crient là. Il a un truc dans le dos, je sais pas ce que c'est, mais. Ok, il y en a 4 qui viennent. On est 4. S'il y en a 4, on recule un tout petit peu. Katox, tu prends les deux premiers. Recule. Il y en a plus que 3. Faut pas qu'on attire toute la masse non plus, mais s'il y en a que 3, c'est jouable. Personne n'a une arme de rab. Non. J'avais laissé une poêle dans là-bas. Hein. D'accord. C'est vrai qu'il a une hache ou un truc dans le genre, lui. Oh le bordel, quoi. Oh oui, je pense qu'il a une hache plantée. Ou... Ils veulent pas tomber, hein. Ouais. Bon, est-ce que tu peux me bander? Je crois que je me suis un petit peu fait. Oh non! Juste égratigner le bras. J'ai rien alors. Tiens, je dépose une poêle. Attends, mais tu vas me dire que le mec il a un truc dans le dos et on peut pas lui prendre? Ou quelqu'un a déjà pris? Si, sauf que j'étais plus rapide. Ah bah oui, merde. bon bah ok, tant pis. Je te rappelle, c'est une hache, hein. Je suis bûcheron à la base. C'est vrai. Allez, viens, on y va. Vas-y, okay. Alors, j'ai pas grand chose en bandage, mais. Là, il y en a plus qu'un là à gauche. Les gars, s'ils t'ont vu, recule. Merci. En plus, il y a un casque de chantier, ça c'est bien ça. Je récupère tous les vêtements qui sont pas ensanglantés, ça me permet de faire des bandages. Vas-y, je te couvre. C'est bon. Alors, moi je rappelle que je suis en panique en extérieur, que je suis épuisé, que. Comment vrai quoi? T'es en panique à l'extérieur. Exactement. Bah, en fait, normalement je suis en panique quand il y a du monde, mais. Enfin, en panique, ouais, agoraphobe c'est... plutôt. Mais dans le jeu, agoraphobe c'est en extérieur. Eh oui. Des cravates quoi maintenant. Un boxeur, cravate à clip. Il y a une montre sur celui-là si vous voulez. Attends, je vais voir si je peux prendre. Il me faudrait des lunettes. Oh, des gants en cuir. Oh, oh. Ah mais fais gaffe, tu vas crever de chaud après. Il y a un taxi en bon état là. Ah, c'est que des gants en cuir, donc ça c'est bien ça. Pas rentrer dedans. Ah, ici, il y a le ginkgo, il y a une ouverture sur le côté. Cool, j'ai pris une cravate. Et il y a un zombie avec un sac à main. Putain, la voiture, elle est pas ouverte alors du coup. Ah ouais, c'est ouvert. La voiture est pas ouverte, mais dans le coffre, il y avait un bidon d'essence, donc je l'ai pris. Nice. Un cartable, il y a d'autres gants en cuir ici. Il a un boxer à petit cœur, hein. Trop mignon. Oh, ça c'est chouette. Les gants en cuir, j'ai pas vu. Attends, je vais les prendre du coup. Il y avait rien ici, même pas un truc à manger. Ah ouais, gants en cuir. Ouais, non. Je crois. Ah, là on a déjà un peu plus de trucs. Beaucoup de planches, mais je suis sûr qu'il doit y avoir du matos quelque part. Merde, mon bandage sale. Ah, marteau. Botte de vis. Enfin. Un marteau. Moi j'ai un bonus avec les trucs tranchants. Il réparé. Deuxième marteau, tournevis. Ah, pied de biche. Ah. Une boîte à clous. Où ça? Et si personne a trouvé une hache. Et clé plate. Ça va pas rigoler ça, la clé plate. Site du jardin. Planche. Clé anglaise. Ramasse feuilles. Pompe à pneus. Planche. Pompe à pneus. Planche. Site du jardin. Faudrait trouver des clous maintenant. J'ai trouvé une boîte de clous. Hein. Ah, excellent. Marteau encore ici. Donc on a de quoi commencer à sécuriser des trucs. Ah ouais, là on a des marteaux et des planches à ne pas savoir quoi en faire. Alors, est-ce qu'on vit ici? Ou est-ce qu'on va en ville?
Alors c'est grand là quand même, mais bah, niveau après... matos on a tout ce qu'il faut, par contre niveau bouffe, ça veut dire que les expéditions... C'est un peu dur à sécuriser par contre comme endroit, non? Non, pas tellement. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de portes. On n'aurait pas besoin de faire de palissade en fait en restant ici. Ouais. Okay. Alors la nourriture, je peux m'en occuper. Là il y a un frigo déjà ici qui est tout installé. Avec une pomme. Pomme. Parce qu'ici il y a pas mal de trucs à démonter, faudrait... Une hache. Être encore. Non, là, je vois déjà où je vais mettre ma cuisine. Hein. Et puis on a tellement de caisses ici. Ouais, des boîtes de clous, des marteaux. Et pas une foutue hache quoi. Oh, il y a même des urinoirs, si c'est pas génial. On a même une radio. Ah, j'ai enfin un tournevis. De quoi manger là? En fait, ce qu'il nous faut, c'est le truc pour déplacer les caisses. Ouais, c'est quoi déjà? Il y a une radio, mais il faut la démonter et la remonter, non? Ouais, mais c'est quoi pour qu'il faut pour démonter justement, démonter caisses? Marteau! Bah, il faut juste un marteau. Donc, il y en a des marteaux, non, j'en ai vu, non? Ouais, Vous êtes sûr que c'est démonté, c'est pas déplacé? J'ai tous les outils, moi. J'ai tournevis, scie, pied de biche, pelle, marteau, clé plate. Bah, de toute façon, il y en a tellement que tu peux tenter d'en démonter une, mais après, si c'est pas ça, je vois pas ce que c'est en tout cas. J'ai une pioche, Katox, si tu veux, ça te tente ou pas? Ah, à moins qu'attends, il y avait pas un truc. Prendre! C'est vrai, sur la gauche, il y a un menu pour ça. Prendre? Voilà. Ouais, et bah, marteau. Trop lourd. C'est voilà. Beaucoup trop lourd. Est-ce que je peux mettre ma pioche dans mon cartable? T'as un risque de casse, bah, à cause de 15. Ah, t'es là, je t'avais pas vu. Est-ce que je peux le poser par terre comme ça? Ouais, t'as vu, c'est à gauche, hein, Slan. Faut que tu cliques sur le meuble. Ouais, je suis en train de faire. Avec une chance de casse, mais bon. Il y en a tellement, tu t'en casses une ou deux. Ça, c'est des... ça, c'est quelque chose comme qu'on ça, aime on peut aller fouiller dans les caisses qui sont derrière. Ouais, ouais, ah, là, elle était bien avec ta pioche là. Oui, c'est vrai que c'était pas un bruit de transport, ça, mais. S'il y en a un autre, je t'aiderais bien, mais je sais pas s'il y a un autre marteau. Ah, si, il y en a plein des marteaux, j'en ai déjà 7. Ah, ok, ben. j'en ai qu'un. Excuse-moi, Castorama, toi. J'en ai qu'un, mais j'en ai vu plusieurs. On va t'appeler Castorama, tiens. Là, ici, il y a fossile, pelle, tournevis, clé plate dans celui-là. Ok. Planche. Marteau ici. Viens là où je suis. Ah, bah parfait. Viens là où je suis, t'en as un avec marteau. Je suis médecin, bougez pas, poussez-vous. Je suis médecin, laissez-moi prendre le marteau. Ouais, c'est ça, je suis médecin, j'ai besoin d'un marteau. Pourquoi faire? La question ne se pose pas. Pompe à pneu, non, c'est pas celui-là. Putain, il y en a tellement des caisses, attends, faut que je la trouve. Hein. Oh, clac. Marteau, c'est bon. Ça y est. Ah, il y a un zombie en haut. Donc tu démontes? Ah non, ils viennent de casser une fenêtre. Il y a deux zombies qui viennent de rentrer. Ah bah il faut aller... 4-5 zombies qui viennent de rentrer. Ouais, non, il y a plus de que deux zombies, ouais. Ok, on va aller se battre. Allez, on va se battre. Faut défendre notre zone. Faudra les enterrer aussi. Prends charge. Putain. Bûcheron et fossoyeur le week-end. Ah, je peux que les repousser, là. Ils sont trop nombreux. Je peux rien faire d'autre. Ouais, on est... Tout au nord de la zone. Tout au nord. Bah tiens, y'a des zombies ici aussi. Viens, on rentre, on ferme la porte. Ok, ils sont là-bas. Je vais me faire bouffer. Non, j'arrive. Barre-toi. On est là, on arrive. Je peux pas, je suis en haut de l'escalier, c'est un vieux cul-de-sac. Ah merde, putain, vite. Slan, on y aille. Slan, il faut qu'il se débarrasse de ses trucs, je peux pas bouger. Ah merde. C'est le problème. Allez, un one shot. Ouais, je suis mort, attention, je vais me zombifier hein. Je vais me relever en zombie, mais au moins mon cadavre sera là avec mon loot. Bon, je vais prendre la pelle, ça doit être bien ça. Allez, on y va. Tuez-moi. Achevez-moi. Où est-ce qu'il est? RIP Intis. Ça y est, t'es mort. Où est-ce que t'es? Il est mort. Katox? Oui. On ouvre la porte là, on se débarrasse d'eux là. Ok. Bah voilà. Voilà. Parfait, c'est ça. Bien la pelle, on a une belle marge. Hein. Ah ouais, la pioche aussi, mais elle est très lente. Et ben, il est où le Sync? C'est lui là? Ouais, c'est lui, c'est avec le petit. Ah, il a plein de trucs, trop cool, une montre. Bah oui, je m'étais un peu équipé.
Et une culotte. Allez, on va arrêter l'épisode là. Bah ouais, est-ce que t'as récupéré ma culotte à imprimer petits animaux, s'il te plaît? Tout à fait. Et tu sais quoi? Je suis en train de l'équiper. Nickel. Enfilé. Ah, ça c'est bien. C'est fait. Rendez-moi ma culotte. Au revoir. Allez, on va arrêter ce premier épisode-là. J'espère qu'il vous a plu et que la surprise vous a plu. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Salut.